Et salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le Bahamas Club. Je vais vous montrer l'intérieur et vous montrer comment y accéder. De façon à ce que vous puissiez aller le voir de vous-même. Voilà, c'est une petite vidéo. Il va y en avoir d'autres concernant les DLC et tout, vous inquiétez pas. Je sais qu'en ce moment, il n'y a pas eu de véhicule sorti et puis j'ai un peu laissé tomber ma chaîne principale. Je vais essayer de reprendre un peu les vidéos mystères et tout. J'ai toujours un souci avec mon PC et GTA 5, je sais pas comment faire, c'est emmerdant, enfin bref. Donc sur cette vidéo, je tenais à remercier Camorlag pour m'avoir prêté la Deluxo, parce qu'il va y avoir besoin de la Deluxo, vous verrez. Je remercie aussi Neopain pour nous avoir montré comment passer de l'autre côté, enfin vous allez comprendre, dans un bug pour pouvoir aller dans le Bahamas. Et puis aussi Noah, avec qui je devais le faire à la base et que bon, j'ai pas pu. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, on se retrouve avec la Deluxo, à de suite. C'est bon, je suis passé. T'es passé plein sud alors. Donc là on fait comme ça. J'ai pas mis le point. Putain. Ouais. Bah c'est là où je suis. Oh, arrête. Vas-y, tu te diriges dans la bonne direction. Je vais tout droit maintenant. Ouais, c'est ça. Et tu passes Hop. bien en dessous des tubes. Je vois le métro passer en plus. Allez, fais pas chier. Mets-toi sur la route là. Voilà. Allez, vas-y, je crois en toi. C'est bon. Ah non 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 non, fais pas ça. Hein. Faisais pas les cons. T'es trop dans l'autre bâtiment là-dessus. Ok. Mets les roues. Je suis pas mal là normalement. Ouais, je suis pas mal. Ouais, t'es plutôt bon. Les roues elles sont posées et tout? Ouais, allez, je sors. S'il te Donc, plaît, meurs ouais, pas. tu sors du véhicule, première personne, troisième personne, Oh première putain, il personne. sort du mauvais côté. C'est pas trop trop C'est grave bon. encore. Yes! C'est bon? Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur du Bahamas West. Donc, je vous fais un peu le tour. Donc là, on va dire c'est la pièce principale. Avec un écran, le bar. C'est vraiment joli, hein. Il n'est pas dégueu au niveau des couleurs et tout, les néons, c'est pas mal. Bon, là, ça, c'est la sortie, je vais pas trop m'y aventurer. On va aller vers la piste de dance. Normalement, on entend de la musique, des fois on l'entend, des fois on l'entend pas, c'est bizarre, là je l'entends pas. Donc voilà. Je vous le montre entièrement. Donc après, une fois que vous êtes dedans, en fait, vous pouvez circuler comme si vous étiez normalement dans le bâtiment, quoi. Y a rien qui vous bloque. Il faut absolument se mettre à la troisième personne, quoi, sinon ça marche pas comme il faut. Là, il y a un autre bar à côté de la piste de danse. Ça. Qui a les cocktails? Ah, il est vraiment joli, hein. Après, qu'est-ce qu'on va faire dans ce... s'il y a un DLC avec ça? La question que je me pose, ça va être quoi l'intérêt? On verra bien. De toute façon, je prépare une vidéo par rapport aux 3 DLC qui sont, on va dire, annoncés. Enfin, pour ce mois de juin, il y a 3 styles de DLC qui sont plutôt annoncés. Une suite, soit une suite au dernier DLC, soit une suite comme je vous présente là avec Bahamas. Une suite genre nightclub, boîte de nuit, tout ça, un peu comme Ballad of Gay Tony dans GTA 4. Ou carrément une suite avec un DLC, enfin pas une suite mais un DLC naval quoi.
Donc ça, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Un peu plus en détail. Savoir ce que vous en pensez. Donc voilà. Je vous montre un peu plus encore le bar. Je vais pas trop traîner non plus, pas faire une vidéo trop longue, comme ça vous voyez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et puis oh putain, j'ai entendu une bagnole là. Allez, essayez, bah pourquoi pas essayer, et puis me dire si vous y arrivez ou pas. Voilà, voilà. Ah, si on peut allumer la télé, quoi. Elle est activée, la télé. Non, elle est pas activée. Ah, c'est bizarre, ça. Ça, c'est Camorlock qui accélère avec sa voiture. J'entends un moteur. C'est étrange. Là, c'est bizarre, il n'y a même pas la musique. Bon. Bah voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de lâcher le pouce bleu, de partager un maximum. Voilà, comme ça, on vous a montré comment rentrer dedans si vous voulez aller visiter avant peut-être la sortie de ce DLC. Et puis si c'est pas ce DLC là qui sort encore, bah vous pourrez y rentrer par vous-même et puis voilà quoi. Voilà, donc je tiens encore à remercier Camorlack. C'est moi-même. Je remercie aussi Neopain, pas très utile mais il m'a servi quand même. Il est jamais là quand il faut lui. Et puis Noah aussi pour les indications. Donc voilà, il y aura leurs trois chaînes en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, à disliker, ça fait plaisir. Voilà, merci à tous, moi je, moi je me dirige vers la sortie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bye bye. Ah, il y a même un couloir là. T'as fini Drake ou... Ouais, je suis devant toi en fait là. Ouais, je vois. Allez, donc voilà, il y a une deuxième façon pour passer sous la map que va vous montrer Camorlack. Donc attends, vas-y, je fais start juste pour montrer bien l'endroit. Voilà, c'est bien ici, tac. Donc, c'est pas compliqué, voilà, vous vous mettez au-dessus du palmier là. Et puis après, c'est la première fenêtre juste au-dessus en fait, du palmier. Doucement mais sûrement. Et il faut que ce soit votre véhicule parce que sinon, regardez TGS. Ouais, sinon je vais mourir. Voilà. TGS est décédé. Et donc après, Camorlack, vous voyez là, il est passé à travers. On le voit là. Et après, bah, il y a juste à refaire comme j'ai fait avec l'autre bug. À se remettre comme il faut à un endroit à peu près là où je me suis mis. Poser la voiture, enlever, remettre les roues, enlever la lévitation, et puis sortir. Et pour montrer que je suis bien en dessous de la map, je vais réapparaître devant TGS. Bouge plus TGS. Voilà. Waouh. Et voilà, c'est ça l'autre côté, c'est la quatrième dimension. C'est ça, et j'ai vu Omega dans un tunnel de... T'as vu son slip. Voilà, c'est ça.